on a vu arriver une danse renversée. Moi, je faisais du foot, alors moi, la danse était loin de moi. Jamais je pensais que j'allais faire de la danse un jour, mais j'ai vu arriver ce truc-là, c'était incroyable, quoi. On voyait les gens danser, au lieu de danser sur les pieds, danser sur la tête, sur les mains, danser au ralenti, danser comme des effets spéciaux. C'était quelque chose de magique. La danse hip-hop a bousculé la danse contemporaine. Au moment où on a commencé à apparaître sur scène, c'était un moment clé par rapport à l'histoire de la danse. C'est-à-dire qu'on arrivait à un moment où la danse contemporaine commençait à s'essouffler. Puis le hip-hop est arrivé avec du sang neuf, avec une espèce d'énergie comme ça que la société avait besoin, pas seulement dans les quartiers. Je pense que c'était une envie du public aussi, à une certaine époque, de voir sur scène autre chose qu'une danse qui est trop cérébrale. De voir des jeunes, je pense, sur scène et qui dansaient avec le sourire, une danse très, très faciale, très chaude, très virtuose. Je pense qu'elle avait besoin de ça. C'était infaisable à l'époque d'imaginer que la danse puisse évoluer à un tel niveau et qu'elle puisse toucher autant de monde. À l'heure actuelle, j'y crois toujours pas, parce que à la base, on était des danseurs de rue, on dansait sur du carton. Et là, maintenant, on se retrouve dans des arénas avec 15 000 personnes, 20 000 personnes, dans des salles de théâtre qui sont quasiment complètes quand il y a des compagnies hip-hop. La danse hip-hop est née ici, dans la rue, à la fin des années 70, au contact d'un public éphémère que les danseurs ont dû accrocher et séduire avec leurs prouesses acrobatiques. On les appelle des b-boys et des b-girls. Ils se rencontrent lors de joutes amicales ou de compétitions officielles. Ils ont décidé de se réapproprier l'univers urbain et de l'utiliser pour exprimer leur énergie positive et leur créativité. La France est le seul pays au monde où la danse hip-hop a passé la porte des théâtres dans les années 90 et s'est révélée dans les festivals de danse. Partons à la rencontre de cette nouvelle génération de chorégraphes qui ont investi les grandes scènes nationales. Découvrons comment la danse hip-hop est devenue un mouvement culturel majeur et comment ces b-boys et b-girls sont devenus des danseurs professionnels sans se couper de leurs racines. Le hip-hop a d'abord séduit les jeunes des banlieues, comme ici au Val-Fouré, l'une des plus grandes cités de France, à 45 km de Paris. Les jeunes de ces quartiers ont été séduits par une danse urbaine influencée de gestuelles africaines, sud-américaines à travers la capoeira, et même asiatiques à travers les arts martiaux. Depuis une dizaine d'années, un crew de breakers s'est formé au Val-Fouré et s'est hissé parmi les 10 meilleurs de France. Son leader, Laoucine Boutrassi, souhaite développer les compétences artistiques de ses danseurs. Il travaille avec eux des chorégraphies favorisant l'expressivité sur la performance pure. En 2010, un voyage à l'étranger a ouvert son horizon créatif. J'ai fait un voyage au Japon qui m'a permis de voir aussi le style japonais. Donc sur le hip-hop pur et sur d'autres danses. Donc la danse contemporaine folklorique japonaise. J'ai amené des pas de danse contemporaine japonaise justement sur le dernier show qu'on est en train de construire. Il a une originalité en fait, ce pas-là. On lui a donné une originalité. Donc c'est plus lent, c'est plus beau, c'est plus soigné. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit on peut faire des trucs avec ce genre de danse en mêlant le hip-hop dedans. Et ça peut vraiment faire une bonne fusion, un bon mélange. Il prépare maintenant une chorégraphie pour les championnats de France de breakdance qui ont lieu dans quelques jours à Nîmes. 1, 2, 3, stop. Les bras là, des petits, ils sont contractés les avant-bras. C'est pas tu lances tes bras n'importe où là.
Parce que vous le faites tout le temps, toi, et Kenji, t'es là, tu lances tes bras. Là, boum, boum, reste dur dans ton mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pas dans le temps. Non, on va dans le temps. C'est trop lent, là. Faut aller plus vite. C'est rapide, hein. C'est ta. Là, les mains, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Là, on rentre un creux ici. Là. Ils font un creux, d'accord. Faut que ça fasse peur. Levez la tête ici. Il n'y a pas de cheveux ici, je regarde par terre. D'accord. Boum, 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 boum. T'as toujours ici, toujours vous regardez le public. Les danseurs, moi je leur explique qu'il n'y a pas que la danse. Il y a aussi un personnage. Il y a aussi un charisme qu'il faut absolument travailler. Comment ton mouvement, tu vas le faire ressentir à un public, avec ton expression, à toi. Comment tu te projectes dans ton mouvement. Qu'est-ce que tu veux que le public voit. Participation à un battle ou une compétition offre une chance à Lao Xin de souder son groupe de breakers autour d'un objectif commun. Faisant miroiter la possibilité d'une victoire ou d'une qualification, il a réussi à motiver des danseurs volontaires au talent et niveau technique perfectible. Agilité, précision des gestes, occupation de la scène et rendu artistique maîtrisé sont autant de critères qui entrent dans la note que va leur décerner le jury. Malgré le soutien d'une partie du public, les danseurs de premier avertissement ne sont pas encore tout à fait prêts. Leur originalité artistique est contrecarrée par des imprécisions et des erreurs de placement. Il manque de peu la qualification pour la finale. Lao Xin et ses danseurs retravaillent la chorégraphie pour la scène. Ils ont été invités à se produire au théâtre du Bataclan. Ah, moi, la danse, c'est la liberté. Il n'y a que dans la danse où je suis libre, où je peux m'exprimer à fond avec mon corps, parce que moi, c'est mon seul outil, quoi. C'est mon arme, mon corps. Si j'ai un truc à dire, je le dis avec mon corps. Et c'est là que je me sens le plus vrai, quoi. Tu reconnais vite les mecs qui ont rien du tout, qui viennent juste pour la performance. Mais les danseurs qu'on retient, c'est vraiment ceux qui ont une signature. C'est la première fois que les b-boys de banlieue se retrouvent dans un théâtre parisien prestigieux, face à un public curieux, comptant près de 1200 spectateurs. Thank you.
Le Bataclan, je l'ai vu comme un tremplin. On nous a sollicité pour passer, pour nous c'était un honneur. Et en même temps, ça m'a servi pour une répétition sur scène. Donc c'était vraiment pour travailler le show. En plus, il nous fallait des dates et tout ça pour pouvoir poser le show devant un public, voir comment il tourne le show, voir ce qu'il y a enlevé, ce qu'il y a modifié, etc. Généreux, acrobatiques, les danseurs de premier avertissement gagnent vite la sympathie des spectateurs, avec une chorégraphie spectaculaire, qui reste néanmoins dans les codes traditionnels du hip-hop. La performance physique de certains danseurs intéresserait sans conteste certaines compagnies professionnelles. Mon groupe a encore beaucoup de choses à prouver. Il a pas mal évolué dans le côté mature de la danse. Là, maintenant, ils mettent des touches d'originalité dans leur danse, dans leur mouvement. Avant, c'était purement de la performance physique. C'était vraiment, nous, on veut choquer les gens. On veut que les gens disent, waouh, ce que tu fais avec ton corps, je savais pas que c'était possible. Maintenant, on est encore dans ça, mais on est aussi dans l'évolution de la danse. Monter le niveau artistique et séduire un public nouveau hors du milieu traditionnel des fans de hip-hop, la première option est de s'aventurer sur de nouveaux territoires musicaux. C'est l'option qu'ont choisi les Pokémon Crew, la fameuse équipe de breakdance lyonnaise. Leur chorégraphe, Riyad Fghani, a conçu un spectacle qui fait revivre l'époque des comédies musicales d'entre-deux-guerres et qui s'intitule « Silence, on tourne ». Les chorégraphies, on les fait à fond. Si on s'est trompé, on refait tout. À la fin, on révisera juste les chorés. Mais tous vos trucs, les tapes, faut les faire. Les accessoires, on les fait. Les danseurs de battle sont pas que des acrobates. Si on les met sur une scène, si on leur donne un décor et un thème, c'est des danseurs qui savent canaliser leur énergie et être performeurs quand ils le font. Je pourrais pas le faire, moi. Moi, faut que je sois là pour faire la chose. Sinon, vous montez juste et vous descendez, vous faites pas de salto, vous montez. Je pense que tu peux monter, mais c'est l'atterrissage. L'atterrissage, non ? Vas-y, après la suite. 7, 8, non, en fait, attends, il y a tout le monde qui fait quelque chose à 7-8. C'est pour ça que vous dites, en fait, sans intérêt à vous. Vas-y, les gars, on peut refaire. Riyad et ses danseurs répètent le spectacle qu'ils vont donner dans quelques heures sur la scène de la Cigale à Paris. Le choix d'une musique années 20, années 30 et d'une gestuelle nouvelle représente un véritable challenge pour les breakers. La création du spectacle, c'est un gros challenge. C'est un très 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 gros challenge parce qu'on était vraiment pas dans le système de danse. Et pour nous, c'était vraiment... découvrir autre chose, se donner, je vais dire corps et âme, pour se donner un nouveau personnage. C'est comme une drogue en fait, c'est quand je danse, j'oublie, je suis dans mon élément, dans mon personnage. Et en fait, ouais, des fois, j'arrive pas même à me rendre compte de ce que je fais ou de la place que j'ai. Et en fait, quand ce rideau s'ouvre et que je vois des gens qui viennent nous voir de super loin et qui viennent nous supporter. C'est là où je prends un choc vraiment et je me dis que ouais, je suis un artiste. Produit à la force du poignet, sans argent pour payer les répétitions, le spectacle n'est pas encore tout à fait au point. Le travail sur les lumières gagnerait à être affiné, de même que la précision des gestes et des placements des danseurs. Pour autant, la chorégraphie fait preuve d'inventivité, d'humour et d'émotion, ainsi que d'une énergie contagieuse. Et surtout,
il donne naissance à des tableaux qui associent performance pointue et poésie visuelle. Prépare pour un battle, il y a l'amour de la danse et il y a aussi la prouesse technique. On vient pour mettre, entre guillemets, KO son adversaire. Et le spectacle, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va jouer sur l'émotion, on va jouer sur des choses beaucoup plus sensibles et des choses beaucoup plus fortes. Mais on vient aussi pour mettre de temps en temps KO le spectateur. Le fait de danser ici à la Cigale, c'est un sentiment de fierté et de... Voilà, je pense qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. Ça reste une chance extraordinaire. Et j'espère qu'on ouvre des portes à d'autres spectacles. La plupart des b-boys ont appris la danse en autodidacte. Leur registre est limité et les compagnies de hip-hop ne sont pas toujours prises au sérieux par les décideurs culturels. En général, on ne voit jamais un directeur de théâtre qui crie aux anges « Oui, c'est le spectacle de l'année ». Surtout pour le hip-hop, on est très difficile avec le hip-hop. Et moi, ça ne me dérange pas. Ça nous pousse à aller plus loin et à créer des choses. Donc, ils ne seront jamais satisfaits du travail des danseurs hip-hop, mais nous, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on se respecte et après... Dans les cases où ils veulent un peu nous introduire, si on n'y est pas, ça ne nous dérange pas. La danse hip-hop a grandi et nous, dans nos vies respectives, on a grandi aussi. Il y a vraiment des talents, il y a vraiment des visionnaires dans ce monde-là. Et venez voir les spectacles, regardez comme on évolue et comme tous les jours on a des choses à dire. Faites confiance aux danseurs, laissez-les s'exprimer et il y aura toujours des messages positifs et qui vont rassembler tout le monde. À Bordeaux, lorsque le chorégraphe Anthony Egea a décidé de créer sa compagnie, Révolution, il l'a doté d'un centre de formation. Breaker à la base, Anthony est parti étudier la danse classique et la danse contemporaine. Pas étonnant que son école forme les b-boys et les b-girls aux danses académiques pour élargir leurs compétences. J'ai vu un jour un spectacle de danse classique où j'ai vu des garçons faire des doubles tours en l'air, la jambe à la tête, faire des sons incroyables, maîtriser l'espace aérien. Et à l'époque, on s'est dit, si on pouvait maîtriser cette technique-là avec la danse hip-hop, on serait un peu intouchable. On serait vraiment des danseurs uniques, surprenants. C'était un peu la rencontre du ciel et de la terre.
Swan Sibi est un b-boy de 22 ans, originaire de Meillan, près de Marmande. Swan a décidé d'abandonner ses études de logistique pour intégrer l'école d'Anthony et se consacrer à la danse. Aujourd'hui, il participe avec une douzaine de candidats à la journée d'audition d'entrée. Une audition qui commence par un cours de danse classique dispensé par Célia Thomas, professeur à l'école. Première, c'est les talons. Regarde, c'est les talons, voilà. Alors, ouvre pas trop, ferme un petit peu. Il y a Célia qui donne une barre classique. Ça permet de voir un petit peu les aptitudes physiques et corporelles. Parce que pour faire cette formation, il faut quand même avoir une certaine souplesse, l'ouverture des jambes, de dos, avoir une certaine laxité. À la différence d'autres étudiants qui ont déjà pris des cours de jazz ou de danse contemporaine, Swan se frotte aux danses académiques pour la première fois de sa vie. Quand je recrute des danseurs dans cette formation, il y a plusieurs critères, mais le critère technique et la performance individuelle, le niveau technique n'est pas forcément le primordial. Pour moi, j'aime beaucoup les danseurs qui sont imbibés d'émotivité, qui sont sensibles. Et la sensibilité chez un danseur, c'est exceptionnel. Plus un danseur est sensible, plus il peut s'oublier dans la danse, plus il peut donner des émotions profondes. On y va en déplacement. Ok. Prends ton sac. Fais. Triche. Prends ta place. Enchaîne la gauche. Et j'y vais. En parallèle. En descend. Et remonte encore. Le classique. Le gros problème de souplesse. Alors là. Ça va être, je sens que ça va être la matière la plus dure pour moi, mais aussi celle qui va m'emporter le plus parce que je manque de souplesse en général et je suis trop rigide, trop et c'est ça qu'il faudra que je débloque. Donc c'était pas facile, hein, j'en ai bavé. J'essaie de recruter des gens qui ont une base technique déjà, technique en hip-hop, hein. Que ce soit popper, locker, crumper, tout ça, mais qu'ils ont déjà une spécificité. Je sais très bien que ce qu'ils vont faire dans leur démonstration, c'est du 60% de ce qu'ils peuvent faire, parce que quand ils le font, libérer de ce stress et de cette tension, c'est beaucoup mieux. Donc je suis quand même conscient qu'en audition, on n'est jamais à 100%. Ah, t'as donné. Respire. Ah ouais. C'est bon. T'as respiré un petit peu quand tu dansais là, un petit peu, t'essayes? Non. Hein? Rien du tout. Pas la première partie, mais pas votre. Il nous a manqué tes yeux. Ah oui. C'était la seule chose. Je pense que t'aurais levé le regard et tu aurais projeté ton regard, ça aurait pris une autre dimension. Mmh. On sent quelqu'un qui est un spécialiste en break. Plus. Encore que debout, enfin, quand il a fait des efforts en danse debout, dans les pop, le travail de Tetris et tout ça, c'était intéressant. En tout cas, on sent une envie d'être dans la polyvalence en hip-hop, de pas être juste simplement au sol ou debout, quoi. Et ça c'est bien. J'ai plus de facilité au sol, mais ça me dérange pas, en fait, de découvrir, en fait. Ouais. Je fonds. Détends-toi. Mais il faut que je découvre plus de. Comment dire ça? Que j'augmente mon champ de vision, que j'essaie de plus faire de style de danse, du debout, même du contemporain, du classique, parce que ça peut m'aider en fait. Tout à fait.
Parce que là, je suis trop dans le break, en fait, et ça, c'est, je sais qu'ici, on apprend beaucoup d'autres styles de danse. Ok, moi, je sens, en tout cas, en t'observant, je sens quelqu'un qui a le potentiel physique, technique, artistique. Il va falloir, au niveau artistique, parce que pour l'instant, tu es encore... Dans la démonstration. Tu es encore dans le côté démonstratif, tu vois, tu as la tête en bas. Il va falloir maintenant nous donner autre chose que ta danse et que ta virtuosité ou ton breakdance, voire... ta sensibilité, nous donner, faire passer des émotions particulières. C'est cette formation sert à ça aussi, à révéler l'artiste et révéler. Donc maintenant, il faut que tu personnalises ta danse et que tu y mettes ton identité, ta particularité. Donc que tu le transformes et que tu y mettes ton style personnel. D'accord. Ta folie à toi, qu'il faut que tu vas trouver et qu'on t'aidera certainement à trouver aussi. On va commencer par cette tête-là, ok? 5, 6, 7, 8 et... Ok, on calme. Bien. 5, 6, 7, 8 et... Et là, ça commence à traverser le corps. Voilà. Doucement, bien. 7, 8. Et là, le corps en avant. On projette, le regard toujours devant. Voilà, dos plat et ça passe par le bas du dos et on remonte, on garde. 6, 7, 8 et... Et là, là, ça monte jusqu'à l'extrême, jusqu'à que ça explose. Après deux ans de formation... Les étudiants de l'école Révolution ressortent avec une connaissance élargie des différents types de danse, ainsi qu'une maîtrise technique et artistique largement plus élevée. Ils finissent leur année d'études avec un masterclass dispensé par Anthony lui-même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. Pour moi, avoir cette formation, c'est un plus parce que je suis... tous les jours en contact avec des danseurs que je vois évoluer, ça me permet moi de venir élaborer, faire des travaux de laboratoire, de recherche avec eux, de voir les danseurs qui vont pouvoir intégrer ma compagnie. Parce que mon rêve, moi, c'est d'avoir un ballet. Je voudrais avoir 10, 15 danseurs et avoir ce fonctionnement de ballet pour atteindre ce niveau d'excellence. Parce que le niveau d'excellence, on ne peut l'avoir qu'en répétant tous les jours. C'est des chorégraphes, quoi qu'il en soit, on est des fois un peu barrés, quoi. On demande aux interprètes de faire des choses qui les déstabilisent, qui les mettent en danger. Donc ça permet justement de cerner ceux qui plongent facilement dans la démarche d'un chorégraphe et qui n'ont pas de barrières, de contraintes et qui y vont, quoi. Et c'est important, l'interprète, le danseur doit avoir cet état d'esprit. Ils vont dans l'interprétation, ils vont vivre des émotions, des choses qui les perturbent, qui les mettent en danger. Des fois, ils peuvent se retrouver à sortir de la salle de danse en frappant la porte. Ils sont obligés de mettre leur trip. Ça fait des fois, il y a des choses très, très fortes qui se passent. S'il vous plaît, calmez un petit peu, calmez un petit peu, calmez un petit peu. On reprend direct. Non, c'était bien. C'était bien, c'était d'une folie qui volait un petit peu, tu vois. Boum, boum, ça, dans tous les sens. Je suis à la base technicien break et je savais pas relâcher mes bras, mes épaules, mon dos, ma tête. Je savais pas ce que c'était le classique, le jazz, le contemporain, je connaissais rien du tout. Ça m'a ouvert ma danse, qui n'a plus rien à voir avec ce que je faisais quand je suis arrivé. Et faut apprendre à, voilà, aussi savoir se relâcher, savoir avoir de la grâce.
avoir aussi travaillé les émotions sur scène, pour pouvoir voilà, danser dans des créations, en théâtre, et toucher une plus grande partie des gens. Mes rêves, bah, ce serait déjà de pouvoir vivre de la danse, donc de pouvoir créer, parce que là, ça fait 2 ans qu'on apprend et qu'on emmagasine beaucoup, beaucoup de nouvelles choses et on a envie finalement de pouvoir les digérer et voir ce qu'on peut faire avec notre nouvelle danse. Donc moi, j'ai envie de créer un peu, de faire des solos, des duos, travailler avec ceux qui vont finir la formation. Puis j'ai aussi envie de travailler, bah, pourquoi pas dans une prochaine de ces créations ou travailler avec d'autres chorégraphes. La chorégraphie n'est pas encore précise, hein. C'est pas encore ce que je demande, moi, en général. C'est basique, mais en tout cas, c'est de la géométrie très précise et il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui déborde pour que ce soit, parfait. Les Vagabonds forment le groupe de breakdance le plus prestigieux au monde. Leur chorégraphe, Mohamed Belarbi, a choisi de pousser la gestuelle hip-hop au plus haut niveau technique et artistique en restant fidèle à ses codes. Il soumet ses danseurs à des répétitions longues et acharnées pour atteindre précision dans les gestes et agilité sur scène. Les Vagabonds se produisent ce soir dans un théâtre de Montpellier. La chorégraphie de Mohamed Belarbi joue sur la lumière, la retenue et le ralentissement des mouvements pour créer expressivité, grâce et poésie. C'est ce qui me dérange. C'est quoi? C'est en fait c'est les bras que t'allonges. Bah en fait. Ouais, tu peux pas le prendre vers le bas. Comme ça, en fait, voilà, tu vois, c'est. Ou juste avec les épaules que t'es là. Tu sais, en fait, c'est ce bras-là, en fait, il a rien à voir, tu vois. Non, le bras que tu sors comme ça, c'est, tu vois, ça. C'est trop c'est pour moi ça, débutant, tu vois, je veux dire, c'est trop ça, un peu académique, ça, tu vois. Ouais, c'est. La descente de la vague, elle est intéressante. Et c'est ce bras-là. Peut-être utilise la tête. Voilà, tu vois, ou une rotation, tu sais, voilà, voilà. On le refait ? Vas-y. La décision d'en rentrer dans les théâtres avec des créations. Donc là, on rentre dans une démarche de compagnie. Et d'un autre côté, je garde quand même cette appellation de groupe parce qu'on reste dans le domaine de la compétition, des battles. Malgré le niveau atteint,
Cette danse sans concession peine toujours à s'imposer dans les théâtres français et sur les scènes officielles. La reconnaissance des vagabonds est tout autre dans le circuit des battles. La création, c'est... On prend du plaisir en voyant les gens, le public, à la fin du spectacle, qui a les yeux comme ça, grand ouvert, et qui est content d'avoir vu ce qu'ils ont vu. Et battle, c'est différent, c'est... Le plaisir, il est justement dans l'adrénaline. On est à fond, on est à fond dedans, on est des fous. Équipes venues des quatre coins de la planète s'affrontent au championnat du monde de breakdance. Les vagabonds ont gagné la précédente édition et remettent leur titre en jeu. Ils présentent une chorégraphie mise au point pour la scène qu'ils ont musclée pour le battle. Cette expérience de la scène va-t-elle les aider à renouveler leur exploit ? En scène de battle 2002, 2006, 2011, et pendant les trois participations, on a gagné le meilleur spectacle. C'est pas pour rien. Donc c'est tout le travail qu'on a fait au théâtre, et création et tout ça, ça a donné une vision à mes danseurs, à travailler leur personnage, l'espace, chorégraphie pas rester frontale, plein de choses. Donc on arrive, les gens déjà s'attendent, ah, vagabonds, ils sont là, ça va être quelque chose de différent et d'énorme. Les vagabonds et les Pokémon, à la faveur de leur show impressionnant, sont sélectionnés parmi les 8 meilleures équipes de la compétition. Ils se retrouvent en demi-finale pour une battle de légende. Une dizaine de danseurs de chaque équipe s'affrontent et rivalisent d'adresse, de combinaisons astucieuses et de performances individuelles. Chaque équipe compte dans ses rangs plusieurs très grands champions, dont certains ont été sacrés meilleurs breakers au monde. Les vagabonds sortent vainqueurs de la demi-finale et battent à plate couture l'équipe japonaise des Florios en finale. Fait très rare, ils décrochent le premier prix à la fois dans la catégorie battle et dans la catégorie meilleur show. Mohamed, pour nous, c'est un peu comme un père. Donc il nous accompagne surtout dans la vie professionnelle ou personnelle. C'est quelqu'un qui est très 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 proche de nous. On travaille toujours ensemble, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Et je pense que c'est vachement important pour un groupe d'avoir un chorégraphe, un manager qui nous colle, qui nous sert.
qui restent avec nous, qui partagent les choses avec nous pour gagner le Battle of the Year ou d'autres battles, d'autres compétitions. Quand on regarde aujourd'hui, dans les battles par exemple, techniquement, le niveau il a explosé. À l'époque, nous, on faisait un quart de tour sur la main, un quart de tour sur la tête. Aujourd'hui, ils en font 30. On se dit, mais à un moment, c'est tout simplement pas possible. Alors que nous, il y a 30 ans, on pensait qu'on était déjà au maximum de ce qu'on pouvait faire dans la technique. Donc, techniquement, le hip-hop a évolué et évolue encore aujourd'hui. Comme on voit en compétition de gymnastique ou d'autres compétitions. C'est-à-dire, du moment qu'on est dans un rapport compétitif, on se surpasse, on va plus loin, on essaie d'être plus créatif. Et donc, tout ça fait que, d'une année à l'autre, on va avoir des surprises. Et c'est ça qui est super dans cette danse. C'est que c'est une danse qui est en perpétuelle évolution. Formé à la breakdance et aux arts martiaux, Mourad Merzouki est aujourd'hui un chorégraphe reconnu, soutenu par les institutions. Pour créer ses spectacles, il va puiser dans la gestuelle d'autres univers que le hip-hop, les arts du cirque, la culture brésilienne ou chinoise. Il pratique la boxe depuis qu'il a 7 ans et a décidé d'en faire le thème de son spectacle. Un spectacle pour lequel il fait danser ses b-boys et b-girls en tenue de boxeur sur des musiques interprétées par un quatuor à cordes. L'énergie de la rue, je la retrouve d'une manière différente sur scène, parce qu'on ne peut pas la retrouver exactement sur scène, autrement ce serait trop brut de pomme. Mais du coup, on la trouve d'une manière différente selon les propositions des chorégraphes. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, parce que du coup, ça nous incite aussi un peu à aller ailleurs, dans nos styles, dans nos façons de faire, dans nos énergies. Du coup, ça, c'est une manière d'amener complètement différent. Du coup, je m'y retrouve en tout cas en arrivant à mon âge, parce que j'ai l'impression de progresser et pas être toujours dans le truc technique. Je pourrais pas de toute façon arriver à un stade aussi plus possible. Donc du coup, je suis obligé de chercher d'autres chemins qui me permettent encore de pouvoir faire de la danse hip-hop, mais d'une autre manière en fait. Le hip-hop, pour moi, c'est une philosophie de vie. En fait, la danse est une philosophie de vie et la danse hip-hop est une philosophie de vie. Moi, je pense que si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que je ferais maintenant, mais sans doute que ça serait pas aussi positif. Quand on danse, on se rend compte que ça a une énergie positive sur nous et que dans la vie de tous les jours, bah, ça a aussi un impact positif par rapport aux échanges qu'on va faire avec les personnes qu'on rencontre. Il y a énormément d'influence et de métissage dans cette danse et c'est ça qui fait la force de cette danse. C'est le métissage et tous les éléments qui ont été rapportés pour créer ce style-là. Et donc forcément, toutes les autres danses, entre guillemets codifiées, n'avaient qu'à y gagner de se nourrir de la danse hip-hop.
des ballons, pour moi, je trouve que c'est une des parties qui est un peu mielleuse, on va dire. Pas forcément dans le jeu, c'est juste qu'à un moment donné, ça devient tout gentil. En plus, on est dans le premier quart d'heure. Et c'est vrai que faites juste attention à ne pas tomber dans un truc trop. Et 1, 2, 3, 4 mouvements, je donne le ballon à Rémi, je fais mon petit mouvement, je récupère le ballon. C'est ça qu'il faut vraiment éviter. Parfois, vous l'avez. Hein. C'est juste, c'est vrai que c'est une partie qui est compliquée parce que vous devez maîtriser l'objet et en même temps penser à votre danse. C'est juste ça. Tu vois, des fois, ça devient chorégraphié. Et on s'habitue à force. Ouais. On peut exactement, s'habituer. Exactement. C'est juste de repenser à ça et puis d'être vraiment dans le personnage de boxeur. Ce qui m'attirait à la danse hip-hop, c'était surtout le côté performance. Et ce côté performance, je l'ai vu à travers une vidéo, je crois que c'était une rediffusion d'un battle qui était sur une chaîne MCM. J'étais scotché, j'ai enregistré la vidéo, et après j'ai défoncé la vidéo, parce que je regardais tout le temps. Allez, marche arrière, retour et tout. Au début, j'ai commencé tout ça, comme ça, dans ma chambre, en ermite. On soulève le lit, on enlève les moutons qu'il y a sous le lit, et puis on essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe à la vidéo, de transposer un peu le droit-gauche, ça fait un peu bizarre. Au début, je commençais tout seul. Après avoir pratiqué le hip-hop dans la rue, Aurélien Desaubry s'est formé pendant 2 ans aux danses académiques à l'École Révolution d'Anthony Egea. C'est vraiment important à l'heure actuelle d'avoir acquis un bagage autre que le bagage hip-hop. C'est beaucoup plus intéressant d'être polyvalent, en fait. C'est comme si on avait une boîte de couleurs et on a peut-être 5 ou 6 couleurs de plus que les autres. Donc ce qu'on va proposer, ça va se voir et ça va être intéressant et ça va être aussi très demandé par les chorégraphes. Ce qui m'intéresse quand je travaille avec les danseurs, si je les choisis pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire je vais prendre un smurfer, évidemment je ne vais pas lui dire tu fais tel mouvement, je vais lui dire tu vas me proposer une gestuelle qui est plutôt dans une gestuelle dynamique, plutôt dans une gestuelle poétique. Et puis le danseur va me faire des propositions. Et moi, je fais de la cuisine. Je vais lui dire, ça, c'est intéressant, on garde. Ça, remets-toi devant le miroir, continue un petit peu à creuser. Et donc le danseur va être dans un laboratoire, il va chercher. Et effectivement, il va me faire des propositions de gestuelle, de mouvement, que moi, je vais modeler, je vais étirer, je vais démultiplier, etc., etc. Dernier filage du spectacle avant l'arrivée des spectateurs au théâtre de Levallois dans tout juste 2 heures. A besoin de voir la danse pour ce qu'elle est. L'essentiel de la danse, c'est de voir du corps, du mouvement, du spectaculaire, une certaine énergie. En tout cas, je sens une attente de ce côté-là. Et je pense que tous ces ingrédients-là, on les retrouve dans mon travail. Et c'est peut-être pour ça que depuis 20 ans, je voyage, je parcours le monde avec mes spectacles, parce que je pense que je suis dans cette espèce d'équilibre entre... Je ne suis pas simplement dans la démonstration, Je suis pas simplement dans la prouesse et je suis pas non plus dans le cérébral. Je suis dans quelque chose comme ça qui est à mi-chemin avec tout ça, ce qui fait que ce sont des spectacles qui peuvent voyager assez facilement, assez librement. Thank you.
En fait, j'essaie vraiment de garder un peu ce lien avec les battles, les cours, les cercles et tout ça. Mais pourquoi, en fait, parce que déjà, bon, j'en ai besoin. Ça me permet de me maintenir à niveau. Et puis, moi, je fais souvent un parallèle entre le battle et la scène. C'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un, à quelque chose qu'on doit surpasser. Et ça m'est arrivé de faire des battles avant des auditions et c'était pas mal. Au fond de moi-même, je suis un b-boy. Après, les gens, ils peuvent dire « Ouais, tu fais de la scène ». Peu importe, je crois que j'ai encore ce côté en moi qui est toujours là. Je pense que ça ne me quittera pas jusqu'à la mort, du coup. Parce que moi, je suis né dans ce côté b-boying, où on a connu la danse hip-hop dans les années 80, qui avait une autre ambiance. Parce que du coup, c'est mon identité, et j'ai pas envie de l'oublier parce que je fais de la scène. Pendant longtemps, le hip-hop n'a laissé qu'une place limitée aux filles. Jusqu'à la production en 2003 du spectacle Amazon, dans lequel Anthony Egea met la femme au centre de sa chorégraphie. C'était à cette époque-là où j'ai vu commencer à avoir des filles, moi, s'imposer dans les battles et comme ça montrer un peu leur virtuosité à elles. Mais elles dansaient à une image de mec, en fait. Elles dansaient comme les mecs. Elles étaient masculines, quoi. Et c'était à cette époque-là, j'ai dit, OK, leur danse, elle a évolué, ça, c'est intéressant pour moi, mais maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre des filles comme ça et de développer une danse qui leur appartient à elles, en y mettant leur sensualité, leur féminité. J'ai amené la hip-hop à des endroits où on ne l'attendait pas, à des endroits un peu chauds. Donc forcément, ils ont commencé à mettre des relâchés de tête. Tu vois, mettre un peu des épaules, mettre un peu leur corps en avant. Parce qu'elles ont un corps différent, je voulais justement qu'elles mettent ces différences en avant. Et il y a une danse très sensuelle qui s'est dégagée de ça. Les cheveux lâchés, tu vois, le fait que le cheveu est lâché, justement, ça amplifie cette sensualité, cette féminité. J'ai demandé à mes danseurs de danser pieds nus. Et il y a eu de vraies surprises, parce que le fait de danser pieds nus, justement, ça a changé leur manière d'appréhender le sol. Donc ils sont rentrés dans le sol avec plus de délicatesse. C'est-à-dire que quand t'as des tennis, t'y vas sans forcément réfléchir, quoi. Tu sors, tu pompes. Mais le fait d'avoir les pieds nus, ça, ils voulaient pas se casser les pieds et se faire mal. Donc ça a incité à vraiment à réceptionner en douceur, et ça a changé un peu la qualité de toucher du sol. C'est une question de respect. La danse hip-hop, je crois. Moi, comme j'ai des interprètes qui sont d'un très haut niveau technique, de suite, ça instaure le respect. Ils les voient danser, ils disent « Waouh !» Ok, tu vois, déjà, ça calme, et après, ils peuvent recevoir ce qu'il y a derrière. Ce que j'ai pu faire avec Emily Sud aussi, où c'était... où elle, à chaque fois, il fallait qu'elle... Comme un torero, elle était obligée de torer le public à chaque fois où elle danse. Tableau, c'est ça, parce que c'est un combat de boxe avec le public. Je viens, je rentre, je vous montre qui je suis, ma technicité, je suis forte. Hop, comme ça, elle ferme la bouche aux gens, parce que des fois, quand elle est rentrée, c'était de suite, ça réagit. Ouh, t'es bonne, elle est bonne. Enfin, parce qu'elle arrivait en robe, talon aiguille, comme un défi de mode. Elle a guiché un peu les gens, quoi. On a vécu des choses fortes dans des théâtres et des rencontres un peu chaudes avec le public. Et à chaque fois, ça s'est bien passé parce qu'on est arrivé à les emmener dans notre univers et à dépasser tous ces clichés, toutes ces choses-là qu'en fait, qui disparaissent vite fait quand derrière, il y a un vrai... Il y a quelque chose de vrai. Hein. C'est pas du flan, quoi. Éternel Dieu, tout puissant Père de gloire, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci encore, Seigneur, Père éternel, de nous avoir donné la force d'être debout. Merci encore pour l'amour fraternel. Oh Père, merci. Merci pour mes frères. Faites attention aux uns aux autres, au placement. Donnez le meilleur de vous-même. Soyez dans l'émotion. Projetez votre regard. Vivez votre danse. Et surtout, prenez du plaisir. Revolution number one, revolution. Perfect, man. Lors d'une tournée africaine, Anthony a rencontré des b-boys africains avec lesquels il a eu envie de créer le spectacle Rage. Rage reflète leur détermination à vivre de leur art et à faire reconnaître la danse hip-hop en Afrique.
C'est la première fois que j'ai fait une création. Faire une création, ça demande beaucoup de temps. Et être toujours réglo, juste. Et nous, tu connais les battles, c'est pas plus être réglo, mais plus là, le défi, faire des phases où ça va être bien, tout ça. Avant, je croyais que danser, c'est donner des gestes. Faire des trucs, les gens vont dire que c'est surprenant. Grâce à Anthony, j'ai appris que la danse peut parler. Un battle, c'est que tu t'exprimes toi-même ce que tu es, quelque sorte. C'est ma danse. Je te défie, parce qu'il y a le défi en battle. Je te défie, je fais quelque chose pour que tout le monde voit que moi, je suis comme ça. Regardez, vous me regardez là, je suis comme ça, moi. En création, non. Tu montres pas, non. Tu interprètes ce qu'on t'a dit. Là, on fait en train de faire rage, mais là, on interprète rage. C'est comme la façon dont c'est écrit. Mais c'est là la différence, quoi. Quand on imagine 20 ans, comme on parlait de la danse hip-hop, on disait ça sera 6 mois, ça sera un an maximum, et puis après on parlera d'autre chose. Je crois qu'on a quand même démontré les uns et les autres que le hip-hop a encore son mot à dire. Il y a une véritable évolution dans l'écriture, une véritable évolution dans le rapport à l'espace, à la musique, aux costumes, aux propos. Les danseurs aujourd'hui ont 40 ans, 45 ans. Ce qu'ils vont raconter, c'est pas la même chose que ce qu'ils racontaient quand ils avaient 20 ans. Donc voilà, donc tout ça fait que le hip-hop a fait un pas de géant. Dans les 30 dernières années, les chorégraphes venus du monde du hip-hop ont fait revenir un large public vers les théâtres. Parti de France, le phénomène est en train de prendre de l'ampleur à l'étranger, où les spectacles français sont aujourd'hui les plus demandés. Je pense que dans la création, il y a des périodes comme ça où les créateurs en hip-hop ont besoin d'expérimenter, de développer d'autres choses, de s'éloigner un petit peu de l'énergie première du hip-hop et d'aller expérimenter, d'aller à la rencontre du buto, la danse africaine, au fond de la musique classique. Moi, je ressens à l'heure d'aujourd'hui de revenir un peu à cette énergie hip-hop traditionnelle, à cette envie de... ce plaisir spécifique de danser, là, du sourire, du mouvement qui claque, des effets, être dans une certaine facialité, un show, tu vois, être... comme j'ai beaucoup expérimenté, là, aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu à ça. Donc ma prochaine création se rapprochera un peu de cette énergie-là.